Mon nom est Stedor, c'est aujourd'hui, je vais jouer au jeu Outlast. Je suis très, très nerveux, parce que je ne joue pas à des jeux d'horreur, puisque je suis une poule mouillée, ok? J'ai très, très peur dans des jeux comme ça. J'avais joué au jeu Amnesia et je ne l'avais même pas fini parce que j'avais trop la trouille imaginée dans lui. Non, en ce moment, j'ai le cœur qui bat rapidement. C'est même pas commencé. Donc, je crois que vous allez vous bidonner. Je vous aime vraiment beaucoup pour faire ça. Donc, ouais. Ah, YouTube. Je n'ai jamais joué au jeu. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ok. Outlast contient des scènes de violence intense. Blablabla. Ok. Ah non. Oh non! Ok. Ok. Vous ne me connaissez pas. Il faut que je fasse vite. Ils surveillent peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site Murkoff, Psychiatric Systems, à Monte Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment. Mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas. Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin. De la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Les objectifs sont mis à jour dans votre carnet TAB, qui contient aussi vos notes N et les documents récupérés J. Donc TAB, objectif, enquêter sur l'asile de Mante Massive. Document, ok, parfait. N, ok, ça c'est les notes, et J, pour ce que j'ai déjà ramassé. Excellent! Donc on peut sauter. Hello. Bah. Password. OK. Gauche, droite. OK. Avancer, sauter, ça pour se pencher. Ça me semble honnête. Ah, OK. Clic droit pour la caméra et le night vision, on le place comment? Ah, ok.
La roulette, c'est pour avancer. Excellent. Mais le Night Vision, par contre, nous le saurons plus tard. Ah, attendez, je vais faire un test. Shift, contrôle, nom, espace, E, Q, F. Ah! F! Le Night Vision est vraiment, vraiment très bien fait. C'est vraiment comme une véritable caméra vidéo. C'est hallucinant. Et j'ai vu dans des previews en plus la rétine, en fait, pas la rétine, mais le cristallin de l'œil devient clair comme dans la vraie vie. Pour ouvrir rapidement une porte, appuyez sur le bouton gauche de la souris. Pour l'ouvrir lentement, appuyez sur le bouton droit, j'imagine. Non. Ok. Pour lever votre caméscope, appuyez sur le bouton droit de la souris. Excellent. Événement enregistré. Ajoutez une note dans votre carnet pour la lire. Appuyez sur N. Holy fuck. Ok. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. L'asile de menthe massive, discrètement fermé par les autorités sur fond de scandale en 1971. Rouvert par Markov Psychiatric Systems en 2009, sous couvert d'une œuvre capitative. Perte du réseau de téléphonie mobile à 1,5 km, plus probablement à cause d'un brouilleur, que d'un problème de couverture. La Murkoff Corporation camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des œuvres de charité. Mais jusqu'ici, jamais sur le territoire américain. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais ça a l'air d'être un gros coup. Peut-être de quoi les faire couler, si l'article réussit à paraître. Il sait déjà qu'il va mourir, mais bon. Hey, moi aussi! Oh! J'en ai pratiquement mal au cœur. Pour courir, appuyez sur un majeur. Ok, c'est parti, les amis. Non. Bon. Ok. Donc, on doit trouver un autre. Les sons sont extrêmement bien faits. Wow. Donc ici, je ne peux rien faire. Ok. Je suppose que je dois aller là-bas. Il semblerait que ce soit eux qui brouillent les ondes, je crois, au son qu'ils font. Ok, parfait. Donc on peut voir ici une porte. Excellent. J'ai reçu un message. Ça ne devrait pas être bien long. Ok. Allons voir cette porte. Verrouillée, fallait s'y douter. Donc, on va devoir rentrer par cette fenêtre. Le caméscope étant actif, vous pouvez zoomer à l'aide du défil haut, défil... Ouais, c'est ce que j'ai fait tantôt. Thank you.
Ok. La vision nocturne épuise les piles, utilisez-la à bon soin. Ok. Fuck. Appuyez pour maintenir. Et je crois que si j'appuie sur ça, ça. Ah, je suis vraiment nerveux. Je suis une sale poule mouillée. Bon. Salut. Ah! Fuck! Ok, si je fais un clic, je rentre rapidement. Un clic, je la ferme en claquant. Si je tiens le clic, je peux. Alors, ok. C'est comme ça qu'on ferme des portes. Pour vous faufiler, déplacez-vous vers l'espace. Ok. 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 Des piles alimentent éclairage infrarouge de votre caméscope pour les changer. Appuyez sur R comme reload d'un jeu de guerre. Excellent. Les documents récupérés sont mis à jour dans votre carnet de journaliste. Appuyez sur J. Ok. Projet Wall Rider. Initial du patient. Bon, Billy, date, blablabla. Bla, 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 âge du patient, 19 ans, masculin, qui est statut de la thérapie. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induits. Activé de moteur morpho. Phogénique à une échelle sans précédent. Poursuit du programme anormal. Niveau 4. Diagnostic. La spirométrie n'a révélé aucune accumulation de bronchite. Point très inquiétant, il a de nouveau été impossible de séparer les électrocytes. L'IRM a révélé une arythmie des mouvements oculaires rapides, non rapides. Rire à l'état non rapide. Ok. Ah! Holy fuck! Ok. Je veux pas aller là-dedans!
Ah! Ok, c'est barré, c'est barré. Ah, come on! Holy fuck! Il y a quelqu'un. Ok. J'ai les mains moites. Ok. Oh. Come on. They killed us. They got out. The very. You can't fight them. You have to hide. Okay. From security and control. Okay. You have to get the fuck out of this terrible place. Oh, holy fuck! Ah. Ouh. Ok, calme-toi, calme-toi, tu peux souffler. Souffle, 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 gros, souffle, gros. Ah. Ok. Non. C'était... J... les notes. Je suis à l'intérieur. Il y a des corps partout, du sang, des traces de brûlures, des têtes alignées comme des bouteilles derrière un comptoir. Des scientifiques de Murkoff pendus au plafond. Sur leur badge, on peut lire Murkoff, système de recherche avancée. Murkoff a l'habitude de tirer profit de prétendre action caritative et... oh my god! Et ça ne date pas d'hier. Des milliards enragés au détriment du tiers-monde. Mais d'où ont-ils tiré l'idée qu'ils pourraient se faire du blé avec un bâtiment rempli de tanks? Il y a une espèce de vigile empalé comme un cochon sur une broche. Avant de crever, il me dit de foutre le camp. Si seulement il me l'avait dit... Hello? Ah, next! Quand je pouvais encore revenir sur mes pas. Ok, ça fait
Ça fait 22 minutes, les amis. Donc, déjà presque deux crises cardiaques. Alors, parfait. On va s'arrêter maintenant. Donc, on va se retrouver dans l'épisode 2 pour d'autres crises cardiaques, je présume. aussi terrible. Donc, je déteste ce foutu jeu. Je fais ça pour vous, YouTube. Alors, partagez en grand nombre. Partagez sur Facebook pour faire rire vos amis. Ils vont se pisser dessus. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode. Comme d'habitude, commentez, likez, abonnez-vous, surtout si vous voulez d'autres vidéos, sûrement d'autres jeux d'horreur, allez vous faire voir. Et oh, ouais, vous avez trouvé la meilleure personne pour faire un jeu d'horreur. Ah, bordel. Alors, attends, on se remet... Ok, parfait. Alors... Dans 3 secondes, on va revoir ma réaction quand j'ai ouvert la porte. Alors, dans 3, 2, 1... Ah! Oh, c'était merveilleux. Bon, alors comme d'habitude, je vous aime et je vous dis bye bye.